Alors, grand copain de Jacques Chiboy, je l'ai mis dans mon livre. Je lui fais une page spéciale. Oui, coïncidence, Jacques Chiboy, j'ai été dans ce garçon. Bonjour. Oui, je vous présente, c'est M. Christian Jabil pour le groupement meilleur ouvrier de France, vous connaissez? Oui, qui a beaucoup de mérite parce que pour tirer tous ces MOF, tous les corps de métier, il faut avoir du courage, du temps, un petit peu d'argent parce que ça coûte cher ce bénévolat. Et merci Christian. Mais il a sorti un livre sur les MOF. C'est là que j'ai rencontré la première fois Pierre. Christophe. Magnette. Et quand j'ai eu deux échecs au MOF, là, bon, il m'a laissé parler. Puis j'ai eu un petit moment d'émotion parce que c'était. J'avais pris deux claques, plusieurs même. Ça avait été très douloureux. Et là, il a su exprimer dans son reportage. Bon, et puis j'ai été mobilisé en octobre l'année passée. Une benne qui avait éclaté, c'est la station de boue, le pied tout blanc, voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un livre. Oui. Et puis je me suis aperçu que, bon, les livres de recettes, je ne vais pas faire un livre de recettes, je vais faire une histoire. Voilà, alors j'ai écrit une histoire, mais ça m'a pris un an. J'ai rien caché, rien dissimulé, la vérité brute, y compris les bêtises, toutes les conneries qu'on a pu faire en apprentissage. Il y en a plusieurs pas. Et puis, je l'ai présenté à Paul, en premier, bien sûr. Il y a deux hommes qui ont compté mon père, le travail, boulot, travail, boulot, boulot, boulot. Et puis, Paul, alors, il va plus loin, il n'entend plus. Je ne page. Regarde la mamie, regarde. Et qui c'est celui-là, tu sais. Et puis il m'envoie un petit mot. Ce livre fera histoire dans la cuisine avec 100 recettes CENT, on se dit la fois. Et puis il a fait une petite, il a mis PB, et puis il signe, voilà, la vraie signature, parce qu'il y a des années qu'il ne signe plus. Et c'est la vraie signature, voilà. Bon. Alors, il n'y a pas d'introduction, bien sûr. Elle se fait toute seule à supporter. Et puis, alors, en 40 ans, j'ai fidélisé deux équipes. Patrick, ici, 27 ans. L'autre côté, Pascal. Mes secrétaires, le bureau, 22 ans. Mes plongeurs, 30 ans. Les bras droits, nous avons 40 salariés. On a deux sociétés différentes, indépendantes. Ils n'ont pas les mêmes jours de sortie. Alors, quel est le succès? C'est un peu la longévité. L'assiduité, le courage, le travail. Mais parce que c'est un métier difficile, c'est un métier dur. Et puis, oui, voilà. Les mariages? Oui, c'est un métier difficile. Les mariages dans la maison? Oui, oui. Alors, pour vous donner un peu de la température, on a fait 48 mariages entre le personnel. On a eu 1000 employés en 42 ans. C'est magnifique. Oui, parce que les commis, ils restent un an ou deux ans, à part les bras droits, les bras qui sont cadres. J'en ai 12 qui sont propriétaires de leur logement. Et puis voilà. Voilà, donc on est à 78 ans, on est encore décidé de vivre encore quelques années. Bon, on a un confort exceptionnel, on a un travail exceptionnel, l'équipe, les fournisseurs, et les clients, ils reviennent de temps en temps. Pourquoi vous voulez revenir dans ce restaurant ou dans le restaurant? Ben, il y a alors 80% c'est l'accueil, le confort, l'assiette, c'est une assiette chaude est mieux que tienne. La bonne proportion, tous mes postes de travail ont une balance à 10 grammes près, ils savent leur poids, la bonne proportion.